La princesse Diana reste indéniablement l'une des membres les plus populaires de la famille royale, un quart de siècle après sa mort. Une sympathie évidemment suscitée par son altruisme, sa grâce, son apparente bienveillance et son chic pour nager à contre-courant. Mais il y avait un autre point, chez Diana, qui lui valait l'admiration du public, son style. La raison? Ce dernier était à l'image de celle qui le portait, rafraîchissant. Dans l'univers si poussiéreux et guindé de la couronne, la princesse rivalisait de modernité avec un style prépit à souhait. Inspirée par l'émergence des tenues sportives dans la garde-robe des étudiants fortunés des années 50, le style prépi, tiré de Ivy League et Preparatory Schools, désignait à l'époque les polos, les pulls en tricot torsadé, ou encore les sweats floqués du logo de l'université ou du nom d'une équipe sportive. Une tendance vestimentaire qui a connu une recrudescence dans les années 80, décennie où Diana s'est justement imposée comme l'icône de mode de la famille royale. Sweat XL à logo, short de cycliste, baskets et épaisses chaussettes blanches ou encore casquette à gogo, la princesse avait fait du style prépi son cheval de bataille, quand elle n'était pas en représentation officielle. Lady Diana, chic en tenue de gym, un style relaxé qui lui donnait davantage de proximité avec le commun des mortels, mais qui n'empêchait pas Lady Di de conserver son éternelle élégance. Veste de blazer, lunettes noires et sac de créateur, la princesse savait comment accessoiriser ses tenues pour rester à la fois chic et confortable. Aujourd'hui, la mode fait de nouveau les yeux doux au style prépi, comme l'ont te fait savoir les défilés Louis Vuitton, Miu Miu, Gucci et Ralph Lauren de la collection automne-hiver 22. Alors si vous avez besoin d'inspiration pour rejoindre la tendance, vous savez vers quelle célébrité vous tournez. À propos de l'auteur Marie-Nicole Verge a aimé la mode, le cinéma, à l'exception des comédies musicales et des films de super-héros, et le design des années 70. Ces derniers articles, Ezel Fanning et Max Minghella célibataires, le couple a rompu après 5 ans de relation. Louise Orgeval, famille nombreuse, sa mise au point cash après sa prétendue reconversion dans Louise Bourgoin séparée de Julien Doré, cette décision radicale qu'elle a prise après leur rupture.